Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Edge of Civilization 2 avec la Seconde Guerre mondiale. Hop. Alors, on m'a fait plein de remarques très intéressantes. Alors ici, il faut aller sur revenu pour construire les ateliers. On va te conseiller de plus aller sur ici. Bon, là, je ne peux pas. Faites là où les ateliers, c'est là où ça rapporte déjà beaucoup. Donc, hop, ici. On m'a également conseillé, pour faire un don, au lieu de passer par faire un don, on peut faire passer via envoyer du commerce, pièces d'or, et on peut envoyer tout ce qu'on a. Hop. Ensuite, ça c'est qui? Ça... Oui, je vais le laisser. Avec la Finlande, on n'est pas encore en guerre. Ici, ben j'ai plus... Ah si, j'ai de l'argent, donc on va rien faire. Et on va déjà passer le tour. Alors, sans suite, c'est à eux. Là, on va accepter les 7000 pièces. Avec eux, on est encore en trêve pendant pas très longtemps. Donc on va commencer à recruter un peu d'armée à gauche à droite. Autour de la France. La France, on était quoi? On n'était pas en guerre. On se préparait à se défendre face au Alax. On s'en moque. Ce qu'on pourrait faire également, c'est sur la Belgique. Non, on va proclamer l'indépendance. Et même chose sur les Pays-Bas, on proclame. En gros, je pense que ça permet de soutenir l'indépendance. On verra si c'est le cas. Hop. Ici. Et là, on va, avec le peu d'argent qu'il nous reste, on n'a pas d'argent. Prochaine étape, ce sera de fortifier toute la frontière espagnole. Ensuite, on joue les Anglais. Les Anglais, on n'est pas en guerre non plus. C'est pas en guerre. Avec eux. Former une alliance. Ah, c'est dommage. On va aller voir avec le Canada. Former une alliance. Non plus. Eux, normalement, sont nos vassaux. Donc ça va très bien. On va améliorer les relations avec notre vassal. L'Australie, on va améliorer les relations. On m'a aussi conseillé, pour prendre une zone, si c'est un vassal, de faire... passer par un autre pays, faire attaquer son chef... Et puis on peut l'attaquer par derrière. Sauf que, en tout cas pour le Raj britannique, ce n'est pas ce que je ferais. Ici, Irak. Irak, il m'aime bien. Est-ce que tu accepterais une alliance non plus? Donc on ne fera pas ça. Ici. Irlande. On doit unifier la région. Donc on va... Toi, tu vas venir ici, et donc toi, tu peux venir là-dessus. Non, avec l'argent qu'on a, on va... Même chose, on va aller dans les revenus. On va aller dans plus. Là, on a pas encore d'atelier à Londres, c'est honteux. Ici, on a déjà un atelier. On a déjà un atelier. On n'a pas encore d'atelier. Et le reste, je pense que c'est... Ah, ici, on n'a pas... Est-ce qu'on a un atelier ici? Ah mais c'est pas à moi, c'est à Malaisie Britannique, c'est mon vassal. Donc c'est pas ouf, c'est sa capitale, c'est pour ça que c'est... Enfin c'est pas ouf, si on regarde. C'est quand même bien, bien, bien. Alors les États-Unis, ils viennent de finir la guerre avec le Mexique. Donc ils ont quelques provinces à devoir gérer. Et ensuite, on est ici... Ça, c'est la France, ça, c'est l'Angleterre. Haïti, envoyer un ultimatum. Alors, l'URSS.
avec 25 avril. Donc un petit moment. Par contre ici, là je peux recruter pas grand monde. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux recruter? Population recrutable, tac tac tac, ici. Ouais, c'est pas à côté, mais j'ai recruté ici. Ok, et on enverra les armées là. Ça c'est à qui? Danzig. Ville libre de Danzig. On va rien en faire. Ici, on n'en fera rien non plus. Et on n'a plus d'argent de toute façon, donc tour suivant. La Chine, même chose, on n'est toujours pas en guerre. Donc ce qu'on va faire, c'est rien en fait. On va augmenter cette armée-ci. La France. La France, elle a un point, donc... On m'avait aussi donné tous les endroits où il y avait des bonus en fonction des types de régimes. Je vais peut-être pas en prendre en compte dans cette série. Hein, je ferai plus attention pour la suivante. Alors, ah, ils veulent pas, d'accord. Royaume-Uni en guerre. J'ai déplacé cette armée ici. Si je veux déclarer la guerre à l'Espagne, parce que l'Espagne, elle est quoi? C'est la Seconde République. Donc elle est démocrate. Ouais. On va commencer par construire un fort, un château ici. Hop. Et ce qu'on va faire, hop, affichage, revenu. Bien évidemment, Paris. Lyon. Ici, c'est... Non, c'est là, c'est Marseille. On construit un atelier aussi. Nantes, ben, on n'a plus l'argent. Et avec les points, bon, rien en faire. On va garder ça comme ça. Ensuite, les... ici. Ok, les États-Unis ont accepté des donations. C'est très bien. Hop, ici, ben, tu peux tenter... random, allez hop. Les États-Unis, eux ont refusé. Ici, on va construire plus un port. Et on va recruter une armée ici. On ira envahir... Hey, là, ouf. Alors ici, contre eux, on a toujours rien. Toi ici, on va te déplacer jusqu'au bon endroit. Et avec le reste de l'argent, on va... affichage, revenu. On va développer des villes, des régions, qui seront peut-être pas les plus riches, je le sais. Mais on va commencer par développer des fermes dans certains coins. Pourquoi? Parce que des fermes, ça permet d'augmenter la population d'une région. Donc s'il y a plus de gens, il y aura plus de gens embauchés. Et donc, s'il y a plus de gens embauchés, il y a plus de travail. Même chose ici, on en a encore pour un petit temps. Donc là, on va rien faire. La France, elle était prête à quoi? Elle était en train de développer... non, là c'est un château en cours de construction. Là, s'il y a déjà un fort, ici un château. La France qui est la première puissance mondiale. Hop, ici. Parce que je peux presque rien recruter. Hop. Et hop. Très bien. États-Unis, hop. Tu vas déplacer toi jusqu'à ici. Alors, les Russes, ils ont un point. On va augmenter la production. On a besoin de plus d'argent. Ensuite, on va continuer avec... on peut voir les populations aussi, je pense. Voilà, population ici. Plus c'est vert, plus c'est habité, d'accord. Plus, et on va développer... Ça ici, par exemple, c'est incompréhensible. Mais ok, on va développer ça. Et on va développer ce qui est autour. Et là, à 4100, c'est mort.
4100, ce que je vais faire, c'est recruter quelques armées pour la future guerre là-haut. Ici, il faut que je regarde diplomatie. Pacte de non-agression, pacte de non-agression. Je vais augmenter mes relations avec la Mongolie, tiens. Hop. J'ai des points que je dois utiliser avec eux aussi. Avec le Japon, j'ai amélioré mes relations. Et avec la Chine, ici. La France. Donc là, on était sur le principe de construction d'une grande muraille. Et ensuite, on va rien faire. Ok. On a quelques points diplo. Avec les points diplo, on va... Ah, j'ai pas énormément d'argent. Soutenir un groupe révolutionnaire en Italie, il n'y a pas de mouvement. Un groupe révolutionnaire en Allemagne, il n'y a pas de mouvement. Crotte. Si, en Suisse, il n'y a pas de mouvement. Chez les Anglais, on va pas le faire quand même. Au Japon, il doit y en avoir. Non, pas de mouvement. Il y a des mouvements nulle part pour le moment. Hop. Ça, c'est l'Italie. Ça, c'est Angleterre. Ça, c'est qui? C'est le Portugal. Il n'y a pas de groupe révolutionnaire au Portugal. Ah, je peux faire quoi? Je peux former la France. Ok, on fera ça alors. Juste pour voir, est-ce qu'on peut former les Royaumes-Unis ici? Non. Tac. Hop, et avec les 5000, je vais développer la population à Glasgow. Donc on va construire une ferme. Les États-Unis, bon, ils sont en route. Avec ça, oui, c'est ça, on m'avait demandé d'augmenter les revenus des États-Unis. Donc c'est ce qu'on va faire. On va partir sur revenus, plus un atelier. On a déjà atelier. J'ai plus d'argent. Construire une ferme du côté de New York. Tour des Russes. Alors, ici. On peut rien faire. Ok. Repayer nos dettes. On n'en a pas. Avec l'argent qu'on a, on va continuer à... Si on regarde population, ici, j'ai, c'est pas chez moi, si c'est chez moi ça, oui, mais je ne peux pas construire de ferme. Il y a des endroits où on peut pas construire de ferme, très bien. 4000, on a rien. On va faire ici, on va investir, ça permet quoi? On va investir là-dedans. Tout notre argent, ainsi on développe la richesse ici. Toi, toujours pas. Tes points, essaie d'améliorer tes relations avec l'autre voisin. La France, elle a construit tout ça. Ce qu'on va faire à la France, c'est la même chose. On va développer... On a besoin d'augmenter ses revenus, donc on va développer Paris, Marseille. On va développer ici certains trucs. Par exemple, du côté de Brest, on a déjà un atelier. Ici à Nantes, on a. Là, on n'en a pas. Et on n'a plus d'argent. Les États-Unis, la troupe est toujours pas arrivée. Oh, ils sont en guerre contre le Guatemala? Ah ben, rip le Guatemala, hein. Donc là, ce qu'il va falloir faire... Hop, je recrute ça. Et ici, de ce côté-là, je vais...
Construire une ferme. Hop. Hop, ici. On est toujours pas. Un prochain tour, je pense. 25 avril. Un ou deux tours. Ok. Ben, on va continuer ici. C'est toujours pas en place. Du côté de Moscou, qui est notre capitale, on va construire une ferme. Et on va aller construire à Perm un atelier. Même si ça rapporte rien. Vous, toujours pas en trêve non plus. Après, on aurait pu déclarer la guerre à eux, hein, mais... Je pense qu'ils sont un peu plus forts. En bâtiment, je peux rien construire. Hein. Ici, on va recruter. La France, on va payer des ateliers. Non, il faut que j'aille en affichage. Développement? Non, c'est pas ça. Quoi c'est? Construction peut-être, continent non. Tour de guet, fortification, port, valeur de la province. Impérial, je vois pas. Impérial, c'est peut-être pour le Saint-Empire. Bâtiment. Non, c'est ici, c'est bâtiment. Ample. Hop, ici. On sait que du côté de tour. Plus. De toute façon, on n'a pas l'argent. On n'a rien en fait ici. Hop, toi tu vas ici s'il te plaît, avec lui il va redescendre. Toi tu viens là. Toi tu prends lui. Et toi tu prends... Ah fuck, il y a deux parties à la capitale, j'ai pas... Enfin, à la province du sud. Hop, ici. Hop, on continuera à développer le... Hop, là c'est très bien. Ce qu'on va faire ici, c'est... Ah, je peux pas... Envoyer un ultimatum. Tu me donnes toutes tes provinces, sauvegarder, ou je t'envahis. Et ensuite, d'ici, je vais recruter 700 troupes qui viendront débarquer là. Toi avec eux. Prochain tour. Ici, ouais, ça reste très très moyen. Diplomatie. Pacte de non-agression toujours. Le Japon. Offrir une alliance, non. Avec eux. Ils sont communistes, hein, eux. On va améliorer les relations avec eux. Parce que ça pourrait... Ah non, je peux pas, j'ai pas les points. Bon, j'ai pas les points de faire quoi que ce soit, donc on attend. Ici, la France. On va faire plus. Affichage, bâtiment. Ici. Plus. Atelier. Ah, je peux construire qu'un atelier à la fois, quoi. Ça coûte super cher. Les Anglais. Il y a ça. Là, on a un point qu'on va investir en recherche. Hop. Putain, avec la France, j'oublie à chaque fois. Il faut que je fonde la France. Ici, on va faire quoi? On va développer. Ici, on va mettre un château. Tour de guet, on sait jamais. Faire à Jérusalem, on va construire une librairie. Et une tour de guet. Hop, vous ici. On va recommencer la... Envoyer un ultimatum, tu me donnes tes deux provinces, sauvegarder, ou je t'envoie 21 000 troupes, ok. Ici, alors. Pacte de non-agression avec la... avec la Mongolie, mais la Mongolie, elle ne m'aime pas. T'accepterais pas une alliance, donc, non. Je vais améliorer mes relations avec la Mongolie. Oui, toi, on va te déclarer la guerre. Pacte de non-agression, donc on avait avec la... Et là, on va recommencer un pacte de non-agression, en fait. Avec E. E. Et E. Très bien.
Hop, voilà, là on est en guerre. Toi ici, tu vas te déplacer jusqu'à là. Je vais... affichage... bâtiment. Développer, par exemple, un atelier... J'ai développé quelques ateliers ici. Et une ferme, là. Et les 10 000... envoyer à la Chine. Commerce. Pièces d'or. Ensuite, ici, on a ça. J'accepte. Ça. Ah, c'est parce que j'ai plus de points. Ok. Trêve. Pacte de non-agression va expirer avec la Mongolie. Je ne peux pas. J'ai pas de points. Ok. Par contre, toi, je vais te... J'ai pas de points non plus en fait, je peux même pas l'insulter. Dommage. Plus, on peut conscripter 1000 hommes qu'on va envoyer sur leur capitale. Et la France, la France on était encore en mode bâtiment. Plus... atelier. Je peux pas même pas construire une petite ferme. Je suis tellement pas loin de pouvoir construire une ferme. Les Anglais. Pouvoir finir la guerre avec l'Irlande. Envoyer la demande, oui. Et ce qu'on va faire également, c'est... ça, ça appartient au Danemark, ça, ça appartient à l'Islande. Ici. Améliorer les relations avec les Belges. C'est qui ? Il n'y a pas une tête de roi, donc... on peut pas voir qui est... Pourtant, il me semblait... Monarchie, gouvernement... Ah, ils disent pas le nom. C'est dommage. Ah si, c'est Hubert Pirlo, donc c'est pas le roi. Hein, y a pas d'Hubert Pirlo en tant que roi en Belgique. 37, Deuxième Guerre mondiale. T'es. Léopold III. Vous êtes Léopold III. Ok, ensuite, on n'a pas grand chose à faire. Ce qu'on va faire, c'est... construire quelques fermes en Angleterre. États-Unis. Ils ont encore refusé? On va te déclarer la guerre, qu'est-ce que tu crois? Enfin non, on va pas te déclarer la guerre. On va apporter la démocratie. Affichage, revenu. Et on va construire... Non. Pas de ceci, on va construire des ateliers encore. J'ai plus d'argent pour construire cet atelier. Il y a peut-être un moyen de construire un autre atelier pas cher. Ici, par exemple, c'est une ferme. Très con. Ici, atelier, c'est 6000. Là, l'atelier, c'est 6000. Puis, je fais une ferme. Hein. Ouais, je vais faire une ferme du côté de... ici, je peux. Je construis une ferme. Ouch. Alors, toi, la trêve avec la Finlande est finie. Ben, on va pouvoir déclarer la guerre à la Finlande. Là, on envoie la moitié ici. Et la moitié là. Et eux essaient d'aller là, mais on est sûr de rien. Finlande, je peux t'envoyer un ultimatum. Demander des provinces. Pinceau. Sauvegarder. Je t'envoie tout ça. Et avec l'argent que j'ai... Alors ici, on a des améliorations de la Seconde République. Donc c'est quoi? Ils sont communistes maintenant? Non, ils sont pas communistes. Ils sont démocrates. J'avais cru voir une étoile, en fait. C'est juste leur symbole. C'est très bien. Améliore tes relations. Et l'argent qui me reste, je vais venir construire... De l'autre côté, en fait, il faut aller à l'est. Il nous faut aussi des villes. Sur celle-ci.
une ferme et un atelier. Alors, normalement, on devrait en finir avec cette guerre. La France, avant que j'oublie. Ah, je peux pas former la France, pourquoi? Ah, il faut que je prenne le sud de la Belgique et le Luxembourg. Tu m'aimes bien, est-ce que t'accepterais de former... de venir mon vassal? On va offrir une vassalisation à la Belgique. Le Luxembourg, on va offrir une vassalisation aussi. Avec l'argent que j'ai, je m'étouffe. Continuer à développer le pays. Ils sont où les bâtiments? Ils sont plus bas? Il semblait que c'était mon... ici. Plus, développer un atelier, et c'est tout. Les Anglais sont en guerre. Non, ils sont pas en guerre. Hop. Par contre, ils ont tout à gérer. Les États-Unis sont en guerre et se sont fait exploser leur première armée. Hop. La trêve a expiré, elle a refusé. Ici, on va finir ce pays. On va déclarer la guerre. Fallait accepter, hein. Tac. Si on avance, on avance et on avance. Et avec l'argent qu'il nous reste, on va... En fait, le truc, c'est que j'ai rien pour venir aider la Chine. Mais ils vont pouvoir se faire plaisir quand même. Ils vont pouvoir bouffer ça, le Megyang. Et après, bouffer... parce que le Megyang est en guerre ou pas? Manchukuo... Non, il me déteste, mais il a pas l'air d'être en guerre. Si tu me détestes, je vais commencer à... mettre une tour de guet. Non, et l'argent que j'ai, je vais développer une province ici, tiens-toi, hop, je vais développer un atelier. Et c'est tout. Et je vais développer ailleurs, ici, une ferme. Ici, on a fini cette guerre, négocier la paix, 1, 2, 3, 4. Envoyer la demande, oui. Toi tu viens ici s'il te plaît, et toi tu viens ici. Megyang, on verra au tour suivant. La France, la Belgique et eux ont refusé, c'est dommage. Ok. Est-ce que la Belgique est défendue par quelqu'un? Ennemi, machin chouette, garantit leur indépendance, la France. Ah, ils ont quand même accepté. On va améliorer nos relations encore. Hein. Et on va développer une usine au Havre. Et l'argent qu'on a, on va l'investir à Paris. Hop, ici. États-Unis, ils ont 3000 hommes. On va les déplacer jusqu'à ici. Avec les 6000, on va développer ici un atelier. Ouch, c'est raté cette invasion de l'île dont je ne connais pas le nom. Alors. Ça, c'est que les provinces... Ah non. On va retenter alors. Déjà, on va celle-ci, négocier la paix. Oui. Et on va venir ici, en fait, c'est ce qu'on va faire. Tac. 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 Ici. Avec toi.
ennemi, mais tu n'as pas d'allié. Donc je peux te déclarer une guerre. La France, ben on va continuer à développer l'atelier de Poitiers, voilà. Ici. Hop, les États-Unis, ils ont une armée en route. Avec l'argent qui reste, on va développer un autre atelier ici. Alors bah là on a presque fini cette petite guerre. Et toi on va te déplacer jusqu'à là. Donc en deux tours, très bien. Et là je dois gérer. Hop, toi on va te déplacer jusqu'à ici. Toi on va te déplacer sur le fort. Ah oui c'est vrai qu'on doit... On n'a plus d'argent. On va devoir demander des aides, mais voilà. Le Luxembourg, il n'y a rien entre... Améliore les relations, ok. Ennemi, ville de Danzig, d'accord. En France, bon, on continue. On augmente, regardez, l'argent augmente. Donc, plus. Atelier à La Rochelle. Ici, on va rassembler les armées. Toi, on va te déplacer jusqu'à ici. Toi, on va te déplacer jusqu'à ici. Alors, là, bah, ça se passe toujours très bien. On va développer la Nouvelle-Orléans. On va mettre pas d'atelier parce qu'on n'a pas l'argent. On va mettre une ferme à la Nouvelle-Orléans. Ici. Bah, là, on n'a pas grand-chose à faire. Ce qu'on va faire, c'est... Envoyer Chine, commerce, pièces d'or, t'envoyer 10 000 en échange d'un pack défensif. Oui, je vais m'arrêter là. Hop, la Chine, tu acceptes. Très bien, et ici on va... c'est pas le problème alors. Ah, c'est parce que j'ai plus de relations diplo. Hop. Bâtiment à Poitiers, très bien. On a 8100 maintenant. On va développer la Red Box, voilà. Les Anglais, diplomatie avec les Grecs. Offrir une alliance, toujours pas, mais on va améliorer la relation avec les Grecs. C'était quoi l'Afrique du Sud, je pense. Offrir une alliance, on va améliorer les relations avec eux. Australie ne m'aime pas, je pense. Ah, ça s'améliore. Il y a quand même... Ah, il y a beaucoup à cause des alliés. Hein. Eux, ils sont communistes aussi, je pense. Ouais. Offrir une alliance, ils ne veulent pas à cause... Distance entre les frontières. J'ai amélioré mes relations avec le Tanutuva, alors. Là, les 3000 vont se déplacer là, encore. Et Irlande, on a déjà fait. Je vais remonter, on va changer, on va mettre... Green Bay. Un atelier. Hop, ici. On doit encore gérer. Ok, niveau thune, c'est bon. Toi, on va te déplacer jusqu'à ici. Toi, on te déplace en partie jusqu'à ici et l'autre partie juste à côté. Ici, on va te déplacer jusqu'à là. Très bien. On déplace nos armées, en fait, pour les positionner pour une guerre contre la Pologne. Hop, déplacer. Ah, j'ai plus de points d'action, c'est ça? Ah non. Plus. Faudra un port. Ok.
Hop, ici, avec eux. Négocier la paix. Tac, 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 tac. Envoyer. Oui. Et toujours pas de points, d'accord. La France. France, ça s'améliore doucement, petit à petit. On va construire un atelier juste à côté de Bordeaux. Et avec l'argent qu'on a, on va développer... On va investir dans Lyon. Et si on regarde maintenant dans les revenus... Ça commence à être un peu plus beau, quoi. Alors ici, les Anglais, qu'est-ce qu'ils font ici? Les Anglais... T'es avec eux, d'accord. Les Anglais vont arrêter de faire des guerres parce que sinon ils vont se mettre dans le pétrin. Parce que s'ils font des guerres, ils ont pas le temps de se développer. S'ils se développent pas, ben... Quand une grande guerre va éclater, ils seront dans la panade. Hop. Et ici... Non, on va... Kansas, un atelier. Hop. Même si ça aurait été plus une ferme, ça aurait été logique, mais... Ici... Nous, on a... Offrir la paix avec la fin à la Finlande. Bah, je te prends tout. Ok, voilà, ça c'est fait. La Russie va s'arrêter là-dessus. Ça, on laissera aux Anglais. Je pense que les Anglais partiront là-dessus, tandis que la France partira sur... jusqu'à l'Allemagne dans... Ah, quoique. L'Allemagne, mais ici, et l'Autriche. Tac, et l'Italie. Peut-être qu'elle prendra aussi... là, il y a la partie là, mais là, ça, ce sera aux Russes. Et ça, ce sera aux Alliés, on verra à ce moment-là. Toi, ici, on a dit, on a l'argent, on va donc développer des ateliers... Un peu partout, ici, toi, bah, toi, avec l'argent que t'as, tu vas... Développer ceci. Prochaine étape, ça pourrait être la Mongolie, ça pourrait être le Mandchoukouo. Faudrait que je vois 36ème province, je suis moins bon qu'eux, je suis meilleur que la Mongolie. En plus, la Mongolie, je peux être dans les deux, en fait. Les deux, je peux demander l'aide des Russes, sauf que à ce moment-là, les Russes doivent apporter des troupes à l'Est. Avec l'argent... Bah, ah, on a un peu d'argent, est-ce qu'on ferait pas bien d'investir dans... Si on a déjà un atelier ici. La France. Ok, la France, hein. Garantissons plus l'indépendance de la Grèce. Non, tu es toujours pas... On va améliorer les relations alors avec les Grecs. Très bien. Et nous, on était toujours en cours de développement. On va aussi faire un petit boost ici. Boost, investir dans Bordeaux. Alors, les Anglais, ils vont prendre une idée qui sera l'administration. Les Américains, ils vont pouvoir négocier la paix. Avec une longue trêve, envoyer une demande, oui. Hop, et on va pouvoir... Alors, le Mexique, il a fait quoi? Au final, il a bouffé le Guatemala, très bien. Enfin, très bien, on se comprend, quoi. Je suis à 7500, donc j'ai un peu augmenté. J'ai... Ici, développé une ferme, voilà. Autour des Russes, tac, ben, y a pas grand chose à faire à part gérer maintenant les nouvelles provinces finlandaises. Vous ici, ben, vous allez, même chose, hein, vous allez gérer vos provinces en fait. J'ai même pas les points pour... Alors, alliance, pacte défensif, est-ce que je peux arrêter le pacte défensif avec eux? Non, mettre fin au pacte défensif, non, il faut que j'attende. Encore 37 tours, putain, ça va me bouffer. Pacte de non-agression, ok. Union, améliorer les relations. On va arrêter, alors. Améliorer les relations avec l'orage britannique, ça n'a aucun sens. Avec la Mongolie, avec l'URSS, non.
Manchukuo, non. J'ai 1,9 points et là je peux venir ici. Et là j'ai plus d'argent donc on attend mais. La France, 8 400 par tour, hop. Un atelier à Rennes. Et avec 700 je peux rien faire. Donc. Les Anglais, bah, ils vont continuer à. Ah oui, ça nous appartient, c'est une très bonne chose. Hop. Quelle pourrait être la prochaine cible des Anglais? Ça c'est portugais, ça c'est belge, ça c'est éthiopien. Ah, ça pourrait être le Libéria. Déplacer vers. On va envoyer 7000 hommes au Libéria. Et on va faire comme ça tout ce qui n'est pas européen. Ça par exemple c'est quoi? C'est espagnol, on s'en fout un peu. Ça c'est portugais, on va pas y toucher. Ça c'est l'Afrique du Sud. Censé bien m'aimer. Améliorer les relations. Non, je peux pas. Faire une alliance, ils accepteraient pas encore. Les États-Unis. Ils ont accepté, très bien. On va attendre. L'URSS, bah même chose, ils vont continuer à intégrer leur nouvelle province. La Chine, même chose. Tant qu'ils ont de l'argent, ils intègrent leur nouvelle province. La France, on est à 8 400. On va créer quoi ici? À Nantes, on n'a pas d'atelier. Voilà, un atelier à Nantes. Les Anglais avec eux, une alliance. Toujours pas à cause de nos alliés. On a moins 26. On va faire quoi? On va former une union. Je ne peux pas, j'ai pas les points. Les États-Unis. Bref, recruter du monde ici, pas tellement. Quel est le port le plus proche? Je vais construire un port à la Nouvelle-Orléans. Là, j'ai recruté. Je recruterai des armées plus tard. Ici. Oh, on est à 42 minutes. Eh ben, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.